Une rencontre avec la musique traditionnelle bretonne a eu lieu à la médiathèque Geneviève Couteau à Clisson avec trois musiciens professionnels. Petit résumé. Commencer en cette sorte de conférence. Déjà par expliquer un peu ce que c'est que les musiques traditionnelles, parce qu'il y a autant de définitions qu'il y a de personnes un peu sur les musiques traditionnelles. Chacun y fait sa loi. Le fait que ça appartienne à une région, un département, un pays, même un petit village, c'est une donnée essentielle à la musique traditionnelle. Ça fait partie des caractéristiques. Tout le monde est d'accord pour dire ça, quoi, que ça appartient à un endroit. Alors, pour l'instant, on fait un truc assez large. On est dans la musique traditionnelle. On entre un peu plus dans la musique traditionnelle populaire. Là, du coup, les musiques traditionnelles populaires, elles sont localisées. Une autre donnée importante des musiques traditionnelles, elles sont transmises par filiation. D'accord ? Donc de génération en génération, je ne vous apprends peut-être pas grand-chose là-dessus. Donc de génération en génération, une troisième donnée importante des musiques traditionnelles par rapport à des musiques savantes, par exemple, encore que, c'est qu'elles ont une fonction. Donc je vais préciser un petit peu ce que c'est que les fonctions. Ça veut dire que cette musique-là, elle va servir à quelque chose, elle va servir à faire danser. Elle peut servir à la marche, comme on l'a fait là, on était assis, mais on n'a pas marché. voilà, elles peuvent servir, il y a beaucoup d'airs en Bretagne, ça s'appelle les bouquets de Reud, là, c'est les airs à faire pleurer la mariée, c'est dans les mariages, ça sert justement à émouvoir la mariée. Il y a l'air pour récolter les pommes de terre, il y a tout un tas de musiques spécifiques qui sont dans un temps donné et une tâche donnée, c'est pour ça qu'on appelle ça une musique à fonction. Donc ça, c'est les trois grandes caractéristiques quand même des musiques traditionnelles populaires. Ça veut dire qu'en plus, elles peuvent être chantées par tous aussi, vu qu'elles sont populaires. C'est les grandes caractéristiques. Alors, du coup, on va s'intéresser, nous, pour cette fin d'après-midi, à nos musiques traditionnelles de Loire-Atlantique, qui sont notre localité. Donc on va faire un petit historique rapidement sur l'évolution un peu de nos musiques traditionnelles, parce qu'il y a surtout en France il y a quelques petites caractéristiques intéressantes. Pourquoi on parle beaucoup de la Bretagne quand on parle de musique traditionnelle? Parce que c'est une des dernières régions qui a été industrialisée. Avec l'abolition des privilèges en 1789, il y avait beaucoup de privilèges en Bretagne, pardon. L'âge d'or de la Bretagne, c'est le 16e, 17e siècle, 16e siècle surtout. Et donc, abolition des privilèges, la Bretagne, elle sombre dans une pauvreté assez extrême, quand même, qui va durer jusque dans les années 1950. Pour une petite anecdote, mes parents ont une maison dans le centre de Bretagne, ils ont eu la douche et l'eau courante dans les années 2000, quand même. Alors, si on se cantonne qu'à la Loire-Atlantique, par rapport à ce qui a été collecté par tous les collecteurs que Goltaz nommait, on peut cibler 7 pays différents dans la Loire-Atlantique. Donc il y a Presqu'île. Le pays des Trois Rivières, donc c'est le pays qui touche le pays de Redon. À l'est, on va avoir le pays de Châteaubriand, le pays de Ré, qui touche la Vendée, pardon, la Bretagne, et le vignoble de Nantais. Voilà. Et chaque pays va avoir des danses, des airs vraiment caractéristiques. Tu veux commencer ou... Donc pour la Presqu'île, on va avoir un instrument très connu qui représente bien la Loire-Atlantique, c'est la veuse, tout le monde connaît. C'est la cornemuse du pays nantais. Quand on parle de pays de Guérande, on distingue plutôt deux pays, en fait. On va dire le pays blanc et le pays noir. Le pays blanc, c'est le pays du sel,
D'accord. Et le pays noir, c'est tout ce qui est Brière. Donc ce pays-là, comme je disais tout à l'heure, il a parlé breton, il était rattaché au duché de Vannes. À l'évêché de Vannes, pardon. Ça parlait breton, il y a eu beaucoup de... Ça parlait même pas forcément le Vannetais, ça parlait plus quelque chose qui se ressemblait à du bigoudin, parce qu'il y a eu beaucoup de bigoudins qui sont venus, notamment grâce au... avec les ports de pêche, justement, il y en a beaucoup au Croisic. Dans ce pays de Guérande, on retrouve cet instrument-là, donc la veuse, qui est un instrument qui est de la famille des cornemuses, donc parce qu'elle a une poche, qui était très, très présente jusqu'au XVIIIe siècle dans toute la Bretagne, avec son petit frère, le biniou cause. Donc quand on dit biniou, c'est la petite cornemuse bretonne qui est très aiguë, et c'est la cornemuse la plus aiguë au monde d'ailleurs. Cet instrument, faut savoir qu'il a quasiment, enfin même complètement disparu. Enfin, on n'a aucune trace sonore, aucun enregistrement d'un pratiquant, un praticien de la veuve. Donc ça c'est assez problématique. C'est un instrument qui a été délaissé au profit, comme beaucoup d'instruments d'ailleurs, au profit de la cornemuse écossaise qui est arrivée dans les années 50-60, où beaucoup de musiciens... On préférait jouer de la cornemuse parce que justement je veux faire du bagad, c'était l'instrument qui était pratiqué. Donc il y a eu beaucoup de musiciens qui ont abandonné ça, et c'est revenu parce qu'il y en a qu'on retrouvait notamment la famille Landreau qui vient de Trentemont, je crois, qui s'est commencé à se réintéresser parce qu'ils ont dû retrouver ça dans les fonds de greniers familiaux, et ils ont commencé à se repencher sur ce qu'était cet instrument, à partir donc du coup de données d'archives et d'instruments qu'ils avaient pu retrouver. Ça veut dire que cet instrument-là est complètement refabriqué en fait, par notamment Thierry Bertrand, qui a lui fait un travail considérable sur le sujet. Et donc c'est vraiment essayer de reprendre les codes de l'instrument pour refaire une réplique de ce qui pouvait se passer, sachant qu'on n'avait aucun enregistrement de comment ça pouvait sonner ou comment ça pouvait être joué. On a une poche, on souffle dans ce tuyau là qu'on appelle un sutel, et au bout de cette poche, vous n'allez pas le voir parce qu'elle est un peu high-tech, il y a dedans, on a un petit clapet anti-retour pour éviter que l'air remonte. Donc on souffle ici. Cette cornemuse-là, elle a un bourdon. Celui-ci est particulier parce que c'est un bourdon basse avec une anche. C'est des anches en roseau, d'accord. Pour des questions pratiques, on a mis des anches en plastique maintenant. Donc c'est une anche libre qui vibre et qui va faire une note continue, ce qu'on appelle donc le bourdon, et qui va tenir un la pour nous. Et ici, on va avoir notre chalumeau, où justement on va poser nos doigts avec une anche à deux lamelles, mais qui est libre également, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire de variation de son avec une cornemuse. On a un son unique et c'est on-off et puis c'est tout. Des codes de l'instrument, comment il pouvait sonner, qu'est-ce qui pouvait être le plus joli niveau justesse, pour les corrections de justesse. On a déduit que c'était potentiellement ce doigté-là, mais on n'en est pas sûr. On va englober le pays des Trois-Rivières et le pays de Châteaubriand. Donc pareil, c'est un pays où on va retrouver le chant partout. Donc, tout,
tous les villages, on va dire. Il y a un instrument phare, c'est l'accordéon diatonique, qui est venu donc après la veuse. L'accordéon diatonique est arrivé d'Italie en 1900, et à peu près dans toutes les régions de la Loire-Atlantique, il a remplacé tous les instruments. C'était vraiment l'instrument phare. Donc dans le pays des Trois-Rivières et de Châteaubriand, on va retrouver une grande figure, c'est le Père Jean. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il est décédé en 1995, donc il n'y a pas si longtemps que ça. C'était quelqu'un de célèbre parce qu'il a quand même fait vivre tout le répertoire du pays de Châteaubriand et des Trois-Rivières sur le plan national, voire européen. Lui, il représente bien le profil d'un musicien traditionnel. Il l'a appris à l'oreille. En fait, il a acheté un accordéon pas cher pour animer le mariage de sa sœur. Et il n'avait pas de professeur. Donc, comment il a fait? Il a écouté les chanteurs. Et il a essayé, en gardant les vaches, de reconstituer les mélodies qu'il avait mémorisées. Donc il s'est quand même, il a acquis un niveau assez potable, on va dire. Tout le monde l'appelait pour animer les balles. Il a rencontré d'autres musiciens, il a appris, et ça fait boule de neige, quoi. Donc ça représente bien l'oralité des musiques traditionnelles. Il était agriculteur, il est presque devenu musicien professionnel. On n'a pas parlé du 7, j'ai dit qu'il y avait 7 pays tout à l'heure, j'en ai cité que 6. C'est le pays nantais. Pays nantais, on va pouvoir en parler avec Benoît Roblin. Dans Nantes, il y avait un musicien qui jouait de la vielle à roue, l'instrument dont je joue aussi, et qu'on appelait le père Zim Zim. Alors c'était au début du XXe siècle, c'était voilà, autour de 1900. Il y avait un joueur de vielle à roue, père Zim Zim, qui était un immigré italien en fait, qui étrangement, je ne sais pas comment il est tombé sur la vielle à roue. Normalement, les Italiens jouaient plutôt de l'accordéon, mais lui jouait de la vielle à roue. Et en fait, c'était un mendiant, en fait. Il jouait, il a un peu perpétué l'ancienne tradition des vielleux, qui au Moyen-Âge était un instrument de mendiant, de pauvres, d'éclopés, d'aveugles et tout ça, quoi. Et lui, d'ailleurs, sur les photos, il a pas l'air très très en forme non plus. perpétuer un petit peu cette tradition donc de jouer de la vielle à roue dans la rue. C'est vrai que c'était un des rares vielleux en fait, de la région nantaise et même de l'ouest en général. Malgré un petit, une présence de vielle à roue en Bretagne, dans le département des Côtes d'Armor surtout, en fait, tout le nord de la Bretagne, le long de la Manche, de Paimpol jusqu'à Saint-Malo, il y avait une tradition de joueurs de vielle. Souvent accompagné par un violon ou par une clarinette ou même par une bombarde. Et puis effectivement, comme pour la veuse et compagnie, l'accordéon diatonique est arrivé et a changé les habitudes. La vielle à roue, c'est un instrument qui est millénaire en fait. Les origines de l'instrument remontent à peu près au niveau de l'an 1000. Les premières traces de son apparition, c'était plutôt au nord de l'ouest, peut-être en Espagne. En fait, c'est pas très sûr, vu que c'est tellement vieux qu'on a très peu de traces. La vielle, ça ne s'appelait pas la vielle à roue à l'époque, c'était un instrument qui était connu sous le nom de organistrum, qui était un instrument qui servait à accompagner les chants religieux, donc qui se jouait à deux musiciens. Donc, il y avait un musicien qui tournait la manivelle et l'autre qui tirait les touches pour faire les notes. C'est vraiment un instrument d'accompagnement de chant qui, au fur et à mesure, en fait, c'est réduit en taille. Il a pu être joué dans le but d'être joué par un seul musicien. L'instrument a été appelé sous différents noms, comme chiffonie ou symphonie. C'est un instrument qui est un petit peu un orchestre à lui tout seul. On a de la mélodie, du bourdon, comme sur la veuse, et une petite cellule rythmique qui est apparue bien plus tard. C'est un chevalet mobile qu'on appelle le chien. Voilà, c'est un petit morceau de bois comme ça là, en forme de chien. On encastre une corde bourdon dessus, et avec les vibrations données par la main droite, par la manivelle, les accélérations, on va devoir donner une rythmique complètement dépendante ou non de la mélodie. Comme je disais tout à l'heure, c'est un instrument qui était utilisé par les pauvres et les mendiants pendant le Moyen-Âge, et qui, je ne sais pas trop comment, en fait, s'est retrouvé au XVIIe, XVIIIe siècle
qui s'est retrouvé catapulté instrument de cour. Parce que certainement, il y a eu des luthiers qui se sont réappropriés l'instrument, qui ont commencé à l'améliorer, à construire de nouvelles vielles. Et donc cet instrument, ouais, au 18e, il s'est retrouvé en fait à jouer un répertoire plus écrit à l'époque baroque, donc sous Louis XV. Et on a des compositeurs comme Vivaldi, par exemple, qui a composé pour la vielle à roue. C'est très peu connu, mais... Et puis, évidemment, il y a eu la Révolution française, le peuple qui reprend le pouvoir. Et puis, donc, l'instrument retombe dans les mains des paysans au XIXe siècle, et tout particulièrement dans le centre de la France, jusqu'à devenir un instrument dédié pour la danse, enfin, qui était déjà même un petit peu avant, mais là, surtout pour la danse populaire, donc principalement la bourrée, qui était la danse phare des régions du centre de la France. Et jusqu'à maintenant, la vielle s'est toujours transformée, donc elle a connu plein de formes différentes, des améliorations. Donc on a justement mis des caisses de luth. Et vous pouvez noter là, par exemple, les décorations, la marqueterie, là il y a de la nacre en fait. Voilà. La tête sculptée qui est typique aussi. Il y a des décors sur l'arrière, des gens qui sont représentés. Voilà. Au niveau du fonctionnement, très simple, pas forcément, mais une manivelle avec un axe qui fait tourner la roue. Je vais montrer la roue en roue libre, voilà. La roue qui est donc la pièce maîtresse, c'est l'archet de l'instrument. Hein, on dit que c'est pour être l'ancêtre du violon. Donc c'est ce frottement, quand je vais mettre une corde en frottement sur la roue, c'est la roue qui va faire remplacer le travail de l'archet du violon. Ensuite on a un système de sautereau, donc des petits marteaux en bois qui vont venir réduire la longueur vibrante de la corde pour faire les notes de la mélodie. Chaque note sur deux octaves seulement. Ensuite, on a l'accompagnement du bourdon, donc comme sur les cornemuses. Voilà. La note grave qu'on ne touche pas, pour nous faire un accompagnement modal. Il y en a plusieurs. Voilà. Le détaché, le coup de poignet, qui permet d'avoir l'accompagnement rythmique. Parler des musiques traditionnelles, la clarinette, elle est arrivée sur le tard pour les musiques militaires. Donc la clarinette date de 1700 par là, et elle est arrivée en Bretagne dans les années avant la Première Guerre, on va dire. D'ailleurs, dans le vignoble, on a des archives sonores de quadrilles du vignoble. Jouer à la clarinette et un ensemble de cuivre. Elle était présente dans le vignoble et sinon plus particulièrement en Bretagne, dans le centre Bretagne, le pays on va dire Golomel, pays Pline et le Trégor. Ouais. Voilà, donc la clarinette en Loire-Atlantique, c'est vraiment à petite dose.
Et ne manquez pas le Fest-Noz avec nos trois musiciens ce samedi 21 mai, 20h30, espace Saint-Jacques à Tisson. L'ambiance sera assurée.